Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler de notre vie quotidienne, de ces nouvelles relations et dynamiques d'équipe partant de Covid-19. Masques, lavage des mains, distanciation nous éloignent. Ces nouvelles règles du jeu du présentiel sont un potentiel obstacle à l'être ensemble, si crucial, si bénéfique pour les dynamiques collectives. Elles nous ôtent le naturel, elles questionnent le pilier de la confiance en ouvrant des questions comme la santé-sécurité ou le décryptage des émotions de la personne que nous avons en face de nous, masquée. Et si vous en parliez? Si vous transformiez cette contrainte en une formidable opportunité de renforcer vos dynamiques collectives, si vous ouvriez un espace d'échange avec vos équipes pour parler tout cela, les questions, les doutes, les peurs, les joies aussi d'être ensemble et l'envie de travailler ensemble à nouveau, physiquement dans la même salle. Si c'était l'occasion de co-construire de nouveaux possibles ensemble pour relever le challenge à venir, cette nouvelle page qui s'ouvre. C'est par ces modalités, cet échange franc et sincère, que les équipes ont réussi à garder l'agilité au tout début de cette crise. Celle qui devait agir alors que rien n'était encore connu, alors que ce virus bouleversait tout notre quotidien. Et les résultats sont là. Des innovations frugales ont permis de garder la continuité de service, la continuité de production, la continuité de logistique, de changer les usages de certains produits, d'innover, de trouver en un temps record de nouvelles modalités d'interaction. Alors pourquoi ne pas vous aussi choisir aujourd'hui d'investir une demi-journée, une journée, ensemble avec vos équipes, pour construire ce collectif performant de demain?